C'est Monsieur Mathison. Il est médecin. Est-ce que ça va? L'ambulance est en route. Merci. Comment il s'appelle? Elijah. C'est normal qu'il pleure comme ça, docteur? Je peux? Là, allons. Je peux le reprendre? Que s'est-il passé durant l'accouchement? Rien. Ça a été très rapide. Le bébé était pressé de sortir. Il n'y a eu aucun problème. Vous l'avez fait tomber? Pardon? Vous l'avez fait tomber, ce bébé? Oh, Seigneur, mais non! Avertissez l'ambulance que nous avons un cas particulier. Nelly. Je n'ai jamais vu... ça. Il semble que votre bébé ait eu un certain nombre de fractures à l'intérieur de votre utérus. Il a les bras et les jambes brisés. Vous êtes seul? Oui. Ouais. Quelqu'un a laissé ce magazine. Vous voulez y jeter un œil? Non, celui-là plutôt. Merci. Vous vous intéressez au sport? C'est mon domaine. Je représente des athlètes, je suis agent. Est-ce que vous recherchez des nageurs spécialisés dans la natation synchronisée? Je voudrais en faire mon métier. C'est vrai? J'ai peur de l'eau. C'est un handicap, vous croyez? Vous représentez quelqu'un à Philadelphie? Je dois rencontrer un footballeur de l'université de Temple. Il est cornerback. Ce gosse-là, c'est 1m85 et 100 kg sur la balance. En 4 secondes, 3 dixièmes, il atteint la ligne des 40 yards. Ça va être un dieu.
Vous êtes football ? Pas vraiment. David Dunn. Kelly. Bonjour. Très heureuse. Très, très heureux. Vous allez rester combien de temps à Philadelphie ? Je suis mariée. Bien. Excusez-moi. Pourquoi ? Je crois qu'il y a un malentendu. Quand je vous ai... Non, je... demandé... Je sais. Je crois que je vais aller m'asseoir ailleurs. Ah, je voulais pas. Nous signalons que le train Israël 177 a déraillé à la sortie de Philadelphie. Sur place, notre envoyé spécial de Sky came for. Je crois apercevoir une ambulance. Oui, c'est bien ça. Et plusieurs voitures de secours sur la bretelle de raccordement. On ne peut pas dire combien de temps il leur faudra pour approcher du lieu de l'accident. La voie étant quasiment impraticable à cause des arbres et des débris qui jonchent la route. L'opération de secours est extrêmement difficile. Bonjour, je suis le docteur Dobbin. Vous êtes dans la salle des urgences à l'hôpital de Philadelphie. Vous avez eu un grave accident. Regardez-moi. Comment vous sentez-vous ? Ça va. Bien, je vais vous poser quelques questions. Avez-vous eu des problèmes cardiaques ou respiratoires dans le passé ? Non. Des problèmes rénaux ? Non. Des allergies ? Non. Où étiez-vous assis dans le train ? Côté fenêtre. Dans la voiture voyageur ?
sont les autres passagers? Votre famille voyageait avec vous? Est-ce que vous... vous vous êtes levé de votre siège? Vous êtes certain que vous étiez dans la voiture voyageur? Oui. Pourquoi vous me regardez comme ça? Votre train a déraillé. Une défaillance mécanique. On n'a retrouvé que deux survivants jusqu'ici. Il avait le crâne ouvert et tout le côté gauche écrasé. Et pour répondre à votre question, je vous regarde comme ça pour deux raisons. La première, c'est parce qu'apparemment, dans quelques minutes, vous serez officiellement le seul survivant de cet accident. Et la deuxième, c'est parce que vous n'avez rien de cassé. Vous n'avez aucune égratignure. David? Qu'est-ce qui s'est passé à New York? Je crois pas que j'ai eu le job. J'ai toujours l'intention d'aller... de partir là-bas. Seulement... plus tard... Bonne nuit. Bonne nuit. Sarah Elaston, qui était employée au centre socioculturel Broad & Locust, nous prions pour ton âme. Kevin Ellipt, homme d'affaires, père de 6 enfants, nous prions pour ton âme. Glenn Stevens, chercheur spécialisé dans la leucémie à l'université de Drexel, nous prions pour ton âme. Jennifer Pennyman, institutrice du cours élémentaire 2e année, à l'école primaire de Jefferson, nous prions pour ton âme.
Morel est là, madame? Non, monsieur. Il est sorti. J'ai lu dans le journal ce qui vous est arrivé. J'ai eu un accident une fois, moi aussi. Un cheval m'a piétiné. J'ai bien failli y rester. Wow. J'ai dû le faire abattre. C'est une triste histoire. Pouvez-vous demander quelque chose à Noël pour moi? Allez-y. Pouvez-vous lui dire de regarder combien de jours de maladie j'ai eu depuis que je travaille ici? Ce sera tout? Oui, madame. Merci. Salut Noël. Tu t'es cogné la tête dans le train pour que ton cerveau se remette à fonctionner? Quoi? $40. Quoi, $40? Je te file une augmentation de $40. J'ai regardé, tu avais raison, tu n'as jamais eu d'arrêt maladie. Pas un seul jour en 5 ans, alors tu veux une augmentation. C'est très bien manœuvré. Ça va, Joseph? Oui. Il s'est endormi. Ah. Et je voulais te poser une question. Tu vas sans doute trouver ça curieux, mais je voudrais que tu réfléchisses un instant, d'accord? D'accord. La dernière fois que j'ai été malade, c'était quand? Tu te rappelles? Ça remonte à loin. J'ai pas été malade cette année, ça je le sais. Oui. Tu te rappelles m'avoir vu malade? J'ai pas un jour précis en tête. Pourquoi tu me demandes ça? Audrey, est-ce que tu te rappelles si j'ai déjà été malade? Durant les 3 années où on a vécu ici. Dans l'ancien appartement. Avant la naissance de Joseph. Avant qu'on soit mariés. Je ne m'en rappelle pas. Tu vois que c'est étonnant de ne pas se souvenir d'un seul rhume, d'une fièvre ou d'une angine. Qu'est-ce que tu en penses? On est probablement trop fatigué pour s'en rappeler. Ouais. Je ne veux plus que tu restes assis là. Ça fait assez longtemps que ça dure. Et moi, je veux plus aller dehors. J'ai pas envie de me faire encore mal. C'est la dernière fois, je te l'ai dit. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. Tu peux très bien faire une chute entre cette chaise et la télévision. Si c'est ce que Dieu a décidé pour toi, tu n'y échapperas pas. Tu ne l'éviteras pas en restant assis dans cette pièce.
m'appelle le bonhomme qui casse à l'école. Parce que je casse comme du verre. Si tu décides maintenant de vivre dans la crainte, tu ne pourras plus faire marche arrière. Durant toute ta vie, tu ne connaîtras que la peur. J'ai un cadeau pour toi. Pourquoi ? T'occupe pas pourquoi. Tu le veux ou pas ? Alors va le chercher. Où il est ? Sur un banc. De l'autre côté de la rue. Quelqu'un va me le voler. Dépêche-toi d'aller le chercher alors. Il y en a plein d'autres comme ça. Tu pourras en avoir un chaque fois que tu accepteras de prendre l'air. Celui-là, il a une fin inattendue, paraît-il. Il vient de la collection personnelle de Fritz Campion. C'était avant que la première édition de cette bande dessinée sorte en kiosque en 1968. C'est une représentation classique du bien contre le mal. Vous remarquerez la mâchoire carrée de Slayer, assez courante chez les héros de bande dessinée. Et la taille de la tête de Jaguarou, légèrement disproportionnée par rapport au corps. Ce qui, encore une fois, est assez courant, mais seulement chez le méchant. Ce qu'il faut retenir de cette œuvre, ce qui la rend tout à fait particulière, c'est la représentation réaliste de ces personnages. Quand ceux-ci sont apparus dans le magazine, ils étaient exagérés. Comme ça arrive toujours. Ça, c'est une pièce unique. Je le prends. J'appelle ça une décision extrêmement sage. C'est mon fils qui va être fou de joie. Vous pouvez répéter ? Mon fils, Jeb, c'est un cadeau pour lui. Et il a quel âge, Jeb ? 4 ans. Non. Non, 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 non. Il faut que vous partiez. Vite. Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que vous voyez les Teletubbies ici ? Est-ce que vous voyez une étiquette en plastique agrafée sur ma chemise avec mon nom imprimé dessus ? Est-ce que vous voyez un petit asiatique sans expression là-dehors, assis dans un hélicoptère mécanique qui bouge quand on met des pièces dedans ? Non ?
Ça, c'est ce qu'on voit dans un magasin de jouets. Vous devez vous croire dans un magasin de jouets, puisque vous faites des achats pour un enfant prénommé Jeb. L'un de nous a fait une erreur grossière, et l'un de nous a fait perdre à l'autre un temps précieux. C'est une galerie d'art, mon ami. Et ça, c'est une œuvre d'art. Uniquement ce rendez-vous. J'ai reçu une carte du magasin. Félicitations. C'est que vous avez une boîte aux lettres. L'exposition n'est pas avant deux semaines. La carte était glissée sous l'essuie-glace de ma voiture. Vous êtes vraiment sûr de ne jamais avoir été malade? À 75%? C'était pas sûr du tout, alors. Ça, c'est la faille numéro un. Et finir par être extrêmement sceptique à propos de tout ça. À propos de quoi? J'ai présumé que vous n'aviez jamais été blessé. Est-ce que je me suis trompé? Papa a été blessé. C'est vrai ce que dit le petit? Oui, monsieur. Un accident de voiture quand j'étais étudiant. Grave? Il ne pouvait plus jouer au football. Faille numéro 2. Et c'est là les tailles. Monsieur Price, si nous parlions du mot que vous avez laissé sur ma voiture. J'ai étudié les comics dans les moindres détails. J'ai passé un tiers de ma vie sur un lit d'hôpital et je n'avais rien à faire à part lire. Je pense que les comics sont notre dernier lien avec une façon ancienne de communiquer l'histoire. Les Égyptiens dessinaient sur les murs. Aujourd'hui encore, partout dans le monde, on continue à transmettre le savoir par l'image. Les comics sont pour moi une forme d'histoire que des gens comme nous ont un jour vécue ou éprouvée. Ensuite, bien sûr, ces expériences et cette histoire ont été altérées par la machine commerciale. C'est devenu des dessins à la mode, plus accrocheurs dans le seul but de faire de l'argent. Cette ville a eu ses catastrophes, elle aussi. J'ai vu les dégâts provoqués par un Boeing qui s'écrase, et puis cet hôtel que le feu a dévasté. En écoutant les infos, j'attendais cette phrase bien spécifique. J'espérais l'entendre. Mais elle ne venait jamais. Et un jour, je regarde la télévision et on parle d'un accident de train. Et là, je l'entends. Il n'y a qu'un seul survivant. Et c'est un miracle qu'il en soit sorti indemne. Je souffre d'une maladie qu'on appelle ostéogenèse imparfaite. C'est une affection génétique. J'ai du mal à fabriquer un certain type de protéines et de ce fait, mes os sont moins denses, moins résistants. Ils cassent facilement. J'ai déjà eu 54 fractures. Et encore, j'ai la forme la moins aiguë de cette maladie. Le type 1. Il y a le type 2, le type 3, le type 4. Ceux qui ont le type 4 ne vivent pas bien longtemps. C'est comme ça que ça m'est venu à l'esprit. S'il existe une personne telle que moi dans le monde, à une extrémité de l'éventail humain, n'y a-t-il pas aussi mon contraire, à l'autre extrémité de l'éventail? Une personne qui, à l'inverse des autres, ignore ce qu'est la maladie et la souffrance. Et qui, probablement, n'en a pas conscience. Le genre de personne qu'on rencontre dans les comics. Qui a pour mission de protéger les autres. De veiller sur eux. Vous croyez que mon père est un... Je ne crois rien, pour l'instant. C'est une éventualité. Avec beaucoup de points d'interrogation. Joseph, ne touche plus à ton verre d'eau. Va le vider tout de suite. Papa... Fais ce que je te demande. Des types comme vous, j'en vois tous les jours dans mon boulot. Vous trouvez quelqu'un que vous essayez d'embobiner. Vous lui racontez une histoire extraordinaire. Et puis à un moment donné, vous lui dites « Tout ce qu'il me faut, c'est votre numéro de carte de crédit pour un petit à-compte. » Ce matin, je crois bien que c'est le premier matin où je me suis réveillé sans avoir éprouvé de la tristesse.
pensais que la personne qui avait écrit ce mot avait une réponse pour moi. Maintenant, je vais partir. Bonne chance pour votre exposition. Quel est votre travail, David ? Vous dites que des types comme moi vous envoyaient dans votre boulot. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je travaille au stade de l'université. Je suis agent de sécurité. Bonsoir. J'ai pris une décision. Bon. J'ai quelque chose à te demander, d'accord ? N'hésite pas à tout me dire. Je suis prête à tout entendre, quoi que tu dises, ça ne m'offensera pas. Est-ce que tu m'as déjà trompée ? Je veux dire, depuis que nous avons des problèmes, ça ne m'offensera pas. Je veux savoir. Ça ne me fera vraiment aucune peine. Non. Excuse-moi. Excuse-moi. Quoi qu'il en soit, j'ai pris la décision de recommencer à zéro. Je veux que ce soit comme au début où on ne se connaissait pas encore. C'est important que tu sois sorti indemne de ce train. Je crois que c'est une seconde chance. Si tu veux qu'on sorte ensemble un soir, je suis tout à fait partante. Bonsoir. Dan. Ici Dan. C'est Jenkins. Dis donc, il y a un type à l'entrée 77 avec habillé falsifié. Une équipe connaît, tu peux pas me dire son nom. De quoi il a l'air ? Parmi toutes les professions qui existent, pourquoi avez-vous choisi la sécurité, d'après vous ? Vous êtes vraiment un type bizarre. Vous auriez pu être conseiller fiscal ou propriétaire d'un gymnase ?
Vous auriez pu ouvrir une chaîne de restaurants, il y a 10 000 choses que vous auriez pu faire. Mais finalement, vous avez choisi de protéger les gens. C'est vous qui avez fait ce choix. Et je trouve ça très intéressant. Non, ce que je veux en fait, c'est votre numéro de carte de crédit. Tout le reste, c'était du baratin. Vous êtes un grand fanat de sport ? Ça m'arrive de m'y intéresser. 10 minutes avant le coup d'envoi, c'est toujours la cohue. Il vaudrait mieux les fouiller. D'accord. Une petite minute. Il y a un problème ? Excusez-moi, je suis obligé de vous fouiller. Le grand mec avec la veste de camouflage. Parfois, il y en a qui viennent avec des armes. Il se met à picoler. Si l'équipe joue mal, il peut y avoir du grabuge. On fouille les gens pour dissuader certains de venir avec des armes. S'il en a une, il va sortir du rang. Vous avez dégoté une place dans la tribune jaune. Vous aurez le vertige, mais au moins, on ne vous crachera pas dessus. Salut. Comment saviez-vous que le type que vous avez repéré portait une arme ? Je sais rien. Peut-être à cause de cette veste de camouflage de l'armée. C'est le genre de type qui aime bien avoir un couteau de chasse pour impressionner. Vous pensez qu'il portait un couteau ? Je pense qu'il portait quelque chose. Mais pas un couteau. J'ai eu la vision d'un revolver argenté avec une crosse noire planquée dans son pantalon. Vous voyez ? Comme à la télé. Vous êtes doué pour ce genre de choses ? Quelle chose ? Devinez si quelqu'un a de mauvaises intentions. Oui. Vous avez essayé de le développer ? Je comprends pas votre question. Votre don. Il faut que je reste près de la ligne de touche pendant le match. Vous pouvez rejoindre votre place en... Les personnages de bande dessinée ont souvent des pouvoirs particuliers. Invisibilité, vision au rayon X, ce genre de choses. Très bien. Je n'ai plus envie de jouer à ce petit jeu. C'est une exagération de la réalité. Peut-être que ça s'inspire tout simplement de ce qu'on appelle l'instinct. Peut-être qu'il ne portait aucune arme. Ou peut-être qu'il avait une arme argentée avec une crosse noire planquée dans son pantalon. Dan ! Faut que j'y aille. Oui, je sais. J'arrive tout de suite. Une dernière question. Quoi ? Cet accident de voiture que vous avez eu, il y avait quelqu'un d'autre avec vous ? Oui. Ma femme, Audrey. Elle était dans la voiture avec moi. Soyez heureux, Elijah. La prochaine fois, essayez d'acheter vos billets dans un point de vente agréé. Dan. J'arrive. Concernant l'inspection du train 177 effectué en ce moment même au dépôt de la compagnie Eastwell, la municipalité a pris de nouvelles mesures afin qu'un projet de loi soit voté, exigeant des contrôles et une maintenance plus stricte des transports ferroviaires de Philadelphie et sa banlieue. Attendez, s'il vous plaît!
J'ai une petite chose à vous demander. Joseph, tu sais que ta mère va être furieuse si elle apprend que tu joues au football. Tu vas lui dire ? Tu veux jouer les dernières tentatives ? On a un grand comme toi. Tu pourrais jouer dans l'équipe adverse. C'est le cousin de Potter. Il débute comme cornerback à l'université de Temple. Il va devenir pro. Il paraît qu'il atteint la ligne des 40 yards dans 4 secondes, 3 dixièmes. Je suis au courant. Tu peux le battre, papa. Viens, on va le battre. Je vais rentrer. Joue au moins une tentative. Je leur ai dit que t'étais un champion. Pourquoi t'as dit ça? Rien qu'une. Il faut que je rentre. J'ai des choses à faire. Quelle chose? Je vais m'entraîner. Je vais t'aider. Non, c'est pas la peine. Y'a rien. Je peux pas jouer. Je vais m'entraîner avec mon père. Attention, prêt. En position. 7. Hut. Bien. C'est bien joué, ça. Oui. Combien t'as mis là-dessus? T'as mis trop de poids, 115 kilos, c'est beaucoup trop. Combien tu peux soulever? J'ai jamais soulevé plus que ça. Ça aurait pu être dangereux, Joseph. Bon, tu vas remonter et me laisser finir, tu veux bien? Je vais en enlever, ce sera plus facile. Tu crois que tu aurais pu battre Bruce Lee? Non. Enfin, je veux dire, si tu connaissais le karaté. Non. Et même s'il n'avait pas le droit de donner de coup de pied et que tu sois très en colère contre lui? Non, Joseph. Combien t'en as enlevé, là? J'en ai ajouté. Je t'ai menti. Ajouté? Combien il y a? Ça fait 120 kilos. On va augmenter. Reculer un peu, c'est plus prudent.
ne devrais pas faire ce genre de choses. Tu le sais, Joseph. Qu'est-ce que tu fais s'il y a un accident? J'appelle maman. Bien. Dis-moi combien tu as mis. Tout ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Combien ça fait? Combien ça fait? 160 kilos, pas bien loin en tout cas. Fracture du cinquième métacarpien de la main droite et multiples fractures des sixième, septième et huitième côtes. La blessure la plus importante reste cependant celle de la jambe droite qui présente une fracture en spirale. Les os ont été brisés en 14 endroits, ils ont littéralement volé en éclats. Il m'appelait le bonhomme qui casse. Qui ça? Les gosses. Ça va, monsieur Price? Je peux continuer? On a placé des broches sur toute la longueur de la jambe. Vous serez sur un fauteuil roulant pendant 2 mois, puis l'usage de béquilles sera nécessaire pendant 12 à 14 mois. Vous devrez rester entre 5 et 8 jours à l'hôpital, puis vous aurez 9 à 12 mois de rééducation. Les analgésiques qui vous ont été prescrits sont la morphine sous forme de perfusion, ainsi que de percocet. Le rendez-vous de 10h est là. L'hôpital l'a laissé sortir ce matin. Merci. Vous êtes Elijah? Pour éviter que les muscles de l'autre jambe ne s'atrophient, nous allons utiliser cet appareil. Ça fera travailler votre quadriceps. Vous êtes marié depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Ça me rend un peu nerveux d'être ici. Et je pose beaucoup de questions quand je suis nerveux. Un accident de voiture. Maintenant, il va falloir m'en dire plus. Mon mari était un athlète de haut niveau à l'université et nous avons eu un accident ensemble. Notre voiture a fait un tonneau, on a été tous les deux blessés, il n'a plus jamais pu jouer au football. Si ça n'était pas arrivé, on ne se serait probablement pas mariés. Comment ça? Revenons à votre rééducation. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, parlez-moi de cet appareil. Il évite l'atrophie grâce... Je ne pouvais pas passer ma vie avec quelqu'un qui joue au football pour résumer la situation. Je n'ai rien contre ce sport. J'admire l'extrême habileté qu'il requiert et, comme tout le monde, j'étais subjuguée par sa façon de jouer, bien sûr. Mais le football, sous bien des aspects, est l'opposé de ce que je fais. Plus on rétame l'autre, plus on a de médailles. C'est un sport violent et je ne veux pas de violence dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le comprendre. Enfin bref, l'essor s'en est mêlé avec cet accident et la question du football ne s'est plus posée. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Si on veut. Sur quelle partie du corps David a-t-il été blessé?
Qui vous a dit que mon mari s'appelait David? S'écrase au moment du décollage. 172 morts, pas de survivants. Un hôtel prend feu dans le centre-ville. 211 morts, pas de survivants. Un train Eastrail déraille à environ 12 km de Philadelphie. 131 morts dans l'accident. Un seul survivant. Et il est indemne. J'ai voulu comprendre pourquoi votre époux a eu la vie sauve. L'explication que j'ai donnée à votre mari peut paraître bizarre. Aujourd'hui, j'affirme que ma version, qui peut sembler extravagante à beaucoup de monde, est plus que probable. Et quelle explication vous avez donnée? Nous vivons une triste époque, Madame Dunn. Les gens commencent à perdre espoir. Il est difficile pour beaucoup d'entre eux d'admettre qu'il y a en eux des choses tout à fait extraordinaires. J'espère que vous, vous pouvez le comprendre. Monsieur, vous voulez bien sortir du rang? Nous avons des problèmes avec des personnes qui vendent de la drogue dans le stade. Permettez que je fouille vos poches. Levez les bras, s'il vous plaît. Allez, levez les bras. Je viens d'arriver. Je peux les baisser maintenant? Je peux partir? Ouais. Bonne chance. C'est lui, ton père. Je parie que mon père est 10 fois plus fort que le tien. Non, il a insisté pour qu'on vous appelle vous, uniquement. Je ne vous cache pas que nous avons eu du mal à vous trouver. Vous n'êtes pas sur notre liste. C'est Audrey qui s'occupe de ces choses-là. Oh, quelles choses? Les affaires de Joseph. Est-ce que je dois lui mettre de la pommade ou bien je sais pas? Non, non, il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a vraiment rien de méchant. Rien de comparable à ce que vous avez eu la fois où je vous ai expédié à l'hôpital. C'est-à-dire? Mon bureau se trouvait de l'autre côté du bâtiment à l'époque. Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas? Non, madame.
J'avais les cheveux roux. Enfin, vous étiez un peu plus jeune que Joseph quand c'est arrivé. Est-ce que vous avez su que nous avons changé les règles de sécurité à la piscine à cause de vous? Les enfants parlent toujours comme s'ils racontaient une histoire de fantôme. Et tu sais qu'un garçon a failli se noyer dans cette piscine. Il est resté au fond de l'eau pendant 5 minutes. Et quand on l'a remonté, il était mort. Nous les laissons raconter l'histoire, ça les encourage à l'imprudence. Est-ce que vous avez toujours la phobie de l'eau? C'était Potter et un autre gars. Ils embêtaient une fille dans le vestiaire. Tu sais, la chinoise. On peut pas laisser les gentils se faire embêter, t'es d'accord? C'est ta règle de conduite, non? C'est ça le code des héros. Je leur ai dit d'arrêter, mais ils m'ont fait tomber par terre et ils m'ont empêché de me relever. Je pensais que comme t'es mon père, je pensais que j'étais comme toi. Mais je suis pas comme toi. Si, tu es comme moi. On peut tous les deux être blessés. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi tu dis tout le temps ça? Elijah Price est venu me voir au centre aujourd'hui. Voilà. Il n'a rien fait, il m'a simplement raconté sa théorie. C'est triste quand les patients deviennent comme ça. Ils perdent toute notion de la réalité. Joseph, mais qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu. Tu peux pas être blessé, tu vas voir que j'ai raison. Il n'est pas chargé. Il ne sait pas où sont les munitions. Dans le trophée que t'as remporté au football. Joseph, tu as chargé cette arme? Tu n'as rien à craindre. Elijah s'est trompé. Quand a-t-il rencontré Elijah? À la galerie, avec moi. Personne ne le croit. Joseph, écoute-moi. Il peut arriver parfois que quelqu'un qui a été longtemps souffrant ou handicapé, c'est le cas d'Elijah, n'ait plus toute sa raison. Il croit des choses qui sont fausses. Il m'a raconté ce qu'il pense de ton père. Et c'est faux. Je vais te montrer. Tu te rappelles l'histoire du garçon qui manque de se noyer dans la piscine de l'école? C'était moi, le garçon dont il parlait. Oui, moi, et j'ai failli mourir. C'est pas des histoires, je t'assure, je m'en souvenais pas. Joseph, tu sais que ton père a été blessé quand il était étudiant. Tu es au courant, il a été blessé, tu le sais. Ne fais pas ça. Tu vas le tuer, Joseph. Je dirai qu'une seule fois. Joseph, écoute ce que ta mère... N'aie pas peur. Joseph, si tu appuies sur la détente, je partirai. Tu entends? Je m'en irai à New York. Tu as raison. Si tu tires, la balle rebondira tout simplement sur moi et je ne serai pas touché. Mais par contre, je monterai. Et je plierai bagage pour aller vivre à New York. Quoi? Parce que je pensais qu'on était des amis pour de vrai. Et les amis prennent le temps de s'écouter. Ils se tirent pas dessus. Pas vrai, hein? C'est pas vrai, Audrey? Oui, c'est vrai, on tire pas sur ses amis. Joseph! Tu vas avoir de très gros ennuis. Je suis ton père, Joseph, et je te demande de poser immédiatement ce revolver. Pose-le. 1, 2. J'ai suivi le type avec la veste de camouflage. Il avait une arme argentée, avec une crosse noire planquée dans son pantalon. Vous avez vraiment été blessé dans cet accident de voiture? Moi, je crois que vous l'avez inventé.
Je pense que c'était un prétexte pour mettre fin à votre carrière de footballeur sans avoir de compte à rendre. Et je crois surtout que vous l'avez fait pour une femme. Ça se tient parfaitement. Le football, ça dure quoi, hein? 10 ans? Mais l'amour... Ouais, ça, c'est pour la vie. Et ce sentiment de tristesse que vous éprouvez le matin au réveil, je crois savoir ce que c'est. Peut-être que tout simplement, vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire. La plupart des revolvers ont une crosse noire ou argent. J'avais une chance sur deux de trouver la couleur exacte. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. J'en ai marre. J'en ai marre que vous vous mêliez de mes affaires, Elijah. Mon fils était prêt à me tirer dessus hier, pour confirmer votre théorie. Je n'ai jamais dit que vous ne pouviez pas être tué, je n'ai jamais dit ça. Ma femme avait raison. Il y a eu 3 accidents importants, et vous êtes le seul à avoir été épargné. J'ai déjà été malade. Quand j'étais gosse, j'ai passé une semaine à l'hôpital pour me remettre d'une pneumonie. J'ai failli me noyer. 2 enfants de l'école chahutaient au bord de la piscine. Ils m'ont poussé et j'ai avalé de l'eau. Ça a failli me tuer, mais ça, ils le savaient pas. Ces choses-là n'arrivent pas aux héros. Seulement aux gens ordinaires. À l'avenir, je ne veux plus vous voir. Ne vous approchez plus de ma famille. Hey, il est 20 passé, décide-toi. Faut que je m'arrache. T'as pas intérêt à te branler devant les BD japonaises, je te préviens. Je savais pas que t'étais dans un... Vas-y, choisis quelque chose. La babysitter est là. On annule? Je vais bien. On peut remettre ça une autre fois? Mais non, j'ai rien. Je me sentais tout drôle, mais ça va mieux. Si on allait juste prendre un verre. Bon, écoute-moi, je vais t'emmener dehors. Hein, comme ça, tu pourras cogiter tout le temps que tu veux. J'ai envie de me taper un poulet, tu comprends? Je m'en fous que tu sois dans un fauteuil roulant. Si tu recommences, j'appelle les flics. Putain. Il y en a marre de tes conneries. Je vais t'envoyer en cabane, moi, ça va pas traîner. Celui-là, c'est combien? Rouille. Oui. Enfin, la couleur, pas la rouille. Tu vois, comme la peinture couleur rouille ou le bois. Je ne savais pas. Moi, c'est toujours le marron. À mon tour. Ta chanson préférée? Soft and Wet. De cet artiste anciennement connu sous le nom de Prince. Quoi?
On a dit qu'on se parlait franchement. Sauf Enwen. Voilà qui est intéressant. D'accord, à mon tour. C'était quand la première fois où tu t'es dit que nous deux, ça ne marcherait pas? Ça fait pas partie du jeu. C'est un premier rendez-vous, il n'y a pas de règles. Je me souviens pas bien. Réfléchis. Et notre jeu? C'est fini, j'ai gagné. Ce n'était peut-être pas un moment particulier, c'était peut-être une fois comme ça. Une nuit. Et je ne t'ai pas réveillé pour que tu me dises que ce n'était rien. Je crois que c'était ça, la première fois. Ça te va? Ça me va. Tu nous mets volontairement à l'écart, Joseph et moi? Tu en as assez de nous, David? Tu en as assez de cette vie? Il y a des tas de choses que tu pouvais faire après l'université. C'est toi qui as fait ces choix. Même si on était amoureux, ça n'aurait pas pu coller. Je ne t'aurais pas souhaité un tel accident. Ta force physique, c'était un don. Je n'aurais jamais souhaité que tu le perdes. Tu en es conscient? Il y a eu deux appels quand Joseph est monté dormir. Il y en a eu un pendant que j'étais sur l'autre ligne, mais j'ai pas été très longue. C'était ma sœur qui m'appelait en catastrophe. Elle a essayé de se faire une permanente et maintenant... Qui a téléphoné? Quelqu'un de New York, pour un travail d'agent de sécurité. Ils veulent vous embaucher. Je savais pas que vous alliez à New York, c'est gentil de me le dire. Nous n'allons pas tous partir. Oh. J'ai laissé le répondeur prendre l'autre message. Super. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, on est au point de départ et je ne m'attends pas à ce que l'un de nous deux change le cours de notre vie à cause d'un seul rendez-vous. Et si tu vas à New York, ce sera l'occasion de faire évoluer notre relation en douceur. Et je suis certaine que ça ne pourrait être que mieux. C'est la deuxième fois qu'on recolle les morceaux, ça ne peut pas être la grande passion. Alors, je crois que félicitations, c'est la formule qui s'impose. David ? C'est Elijah. C'était tellement évident. C'est un comics qui m'y a fait penser. Century Comics numéro 117. C'est là-dedans qu'on voit ce groupe, la coalition du mal, essayer de découvrir le point faible de chaque super-héros, car ils en ont tous un. Comme vous. Vos os ne cassent pas. Les miens, si. C'est un fait. Vos cellules ne réagissent pas comme les miennes aux bactéries et aux virus. Vous ne tombez pas malade. Moi, si. Ça aussi, c'est un fait. Mais on ne sait pour quelle raison. Vous et moi, nous réagissons de la même façon au contact de l'eau. Si on en avale trop d'un coup, on suffoque. Et si on en a dans les poumons, on se noie. Bien que ça puisse paraître invraisemblable, vous et moi, nous sommes reliés.
Nous sommes sur la même courbe. Chacun a une extrémité. L'essentiel dans tout ça, c'est que maintenant nous savons une chose que nous ignorions. Vous avez un point faible. L'eau. C'est votre kryptonite à vous. Vous m'entendez, David ? Faudrait. Rien ? Je crois qu'elle a la jambe cassée. Vous êtes blessé ? Monsieur, vous êtes blessé ? Allô ? Je n'ai pas été blessé dans cet accident de voiture. David. Je n'ai jamais été blessé, Lydia. Qu'est-ce que je dois faire ?
Allez là où il y a du monde. Vous n'aurez pas besoin de chercher longtemps. C'est normal d'avoir peur, David. Parce que cette fois, ce ne sera pas comme dans un comics. La vraie vie ne tient pas dans des petits carrés que l'on a illustrés. Je peux entrer? Qui êtes-vous? J'aime bien votre maison. Je peux entrer? Comment ça? Non, vous ne pouvez pas entrer. Vous en êtes sûr? Mais qu'est-ce que vous faites?
J'ai fait un mauvais rêve. C'est fini. Comment tu as pu croire ça? Je te demande, c'est tout. T'es pas perdu, ça te dit? Pour en revenir à Elijah Price. S'il se manifeste encore, je pense qu'il faudrait appeler la police. Hein? D'accord. D'accord. Thank you.
c'est l'un des tout premiers dessins de Joan Davis. Vous voyez le scélérat? Ses yeux sont plus grands que ceux des autres. Leur aspect un tantinet disproportionné souligne la façon dont il voit le monde. Légèrement anormal. Il n'a rien de terrifiant. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Mais il dit qu'il y a deux sortes de scélérats. Il y a le combatif, qui affronte le héros avec ses mains. Et il y a la vraie menace, le brillant adversaire, le génie du mal, qui affronte le héros avec son esprit. Vous êtes la mère d'Elidja? En effet. Je l'aide pour la vente. Ravi de vous connaître. Je suis David Dunn. Ah, il m'a souvent parlé de vous. Vous êtes devenu ami, paraît-il. C'est vrai. Ça a l'air de marcher pour lui, aujourd'hui. Je suis très fier de lui. Les déboires, il en a connu dans sa vie. Je pensais que ces épreuves l'auraient totalement anéanti. Il en a bavé. Mais il a bien réussi. Oh oui, alors. C'est un peu un miraculé. Oui, c'en est un. Je vais lui dire que vous êtes là. Merci. Ça a commencé. J'aimerais savoir une chose, David. Quand vous vous êtes levé ce matin, est-ce qu'elle était encore là? La tristesse? Non. Je crois que c'est le moment de se serrer la main. J'ai travaillé dans cet hôtel pendant 25 ans. Je connais tous ses secrets. Ses secrets? Oh oui. Par exemple, si le feu se déclenchait au premier, deuxième ou troisième étage, tous les gens présents dans cet hôtel seraient brûlés vifs. Les passagers n'ont pas le droit d'entrer là-dedans. Vous savez ce qui est le plus effrayant? D'ignorer quelle est sa place dans ce monde. D'ignorer pourquoi on est ici. C'est... un sentiment effroyable. Qu'est-ce que vous avez fait? J'avais presque perdu espoir. Je me suis interrogé tellement de fois sur moi-même. Vous avez tué tous ces pauvres gens. Mais je vous ai trouvé. J'ai fait tous ces sacrifices. Rien que pour vous trouver. Oh, c'est pas vrai. Oh.
Maintenant que nous savons qui vous êtes, je sais qui je suis. Je ne suis pas une erreur. Tout prend un sens. Dans les comics, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît le méchant ? Il est le parfait opposé du héros. Et la plupart du temps, ils sont amis comme vous et moi. J'aurais dû le comprendre depuis longtemps. Vous savez pourquoi, David ? À cause des enfants ! Je m'appelais le bonhomme qui casse.